Bonjour. Ah, bonjour. Entrez, je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Elisabeth. Oui, bien sûr. Elisabeth. De La Rochelle, c'est bien ça? Oui, enfin, je suis parisienne depuis un bon moment maintenant. Et vous avez quitté La Rochelle à quel âge? 16 ans. C'est le studio dans lequel vous enregistrez l'émission? La majeure partie du temps, oui. On s'y sent bien ici, on a nos marques. Bon, j'ai été très touchée par votre lettre, la franchise qui s'en dégage. Merci. Et donc vous êtes une inconditionnelle de l'émission? Oui. J'ai le sommeil, disons, pas très fiable. Alors je vous écoute depuis le début, même du temps de la route de la nuit. Je savais bien qu'il n'y avait pas que des routiers qu'on tenait éveillés. Je vous sers un verre? Oui. Et vous faisiez quoi, Elisabeth, avant ça? J'ai fait des études de psychologie, un peu de secrétariat. Après, j'ai eu mes enfants, donc j'ai voulu reprendre à un moment, mais j'ai eu un problème de santé, donc... Et pourquoi reprendre le travail maintenant, alors? Je me suis séparée de mon mari. Enfin, il est parti. Je comprends. Je comprends. Et donc, vous dites dans votre lettre que vous êtes prête à faire un peu de tout? Oui, au besoin, je peux... Le standard, par exemple. Ça vous intéresserait? Le standard? Le standard téléphonique. Francis va bientôt nous quitter et on cherche quelqu'un. Je vais vous le présenter, il vous expliquera tout. Et puis, on va essayer. Et puis si ça va, ça va. Puis si ça va pas, ça va pas. Ok.